Panocha, il va d'une mise en échec. Vachon qui est là. Vachon tente une passe. Les Sags sont pris dans leur territoire défensif. C'est Queen qui laisse de l'autre côté un tir bloqué par Précourt qui donne aucun retour. Loin, ça a été intercepté. Cloutier traverse le centre, mais Ducat lui vole cette rondelle. Ducat pleine vitesse, il y a de l'espace. Berthelot avec lui. Berthelot retourne derrière pour Uzereau. Son tir, c'est bloqué par Deneau. La rondelle est derrière le filet. Vachon est là également. Dégagement de Québec annulé par Vermette, mais repris par Villeneuve. Un 2 contre 1 là, pour les remparts. Villeneuve s'avance. Son tir bloqué par Précourt et la rondelle s'en va loin en territoire des. On va aller au cercle droit, un tir bloqué par Précourt. Le retour récupéré, envoyé devant le filet, mais Morin va intercepter et permettre aux Sags de quitter le territoire défensif. Massé en contre-attaque, là, 4, laisse pour Guité. Il y a beaucoup d'espace. À Wang Wang, son tir bloqué par Deneau, aucun retour. Et ensuite, bousculé, Rousseau le long de la bande, fait glisser pour Michaud. Michaud envoie pour Maltais. Maltais, une longue passe à Queen. Attention, un possible 2 contre 1, il est là. Pleine vitesse, Queen, son tir dévié, bloqué par Précourt et Morin va venir récupérer. Cloutier veut laisser. Revient dans son territoire. Une longue passe qui est captée. Entrée de territoire de Bellan, frappée par Desrosiers. Desrosiers est rejoint. Agostino veut laisser pour Lebel. Lebel envoie dans l'enclave. C'est récupéré. Un tir et le but. Voilà le premier but de ce match. Et la partie au rempart de Québec, c'est Julien Bellan, son 20e de la saison. C'est 1-0. Ce petit changement de trio, là, de combinaison offensive, c'est Loïc Goyette qui a cédé sa place à Xavier Lebel sur ce premier trio. Voyons voir, ça sera à long terme, mais n'en demeure pas moins que. Jeu de puissance et on peut voir l'insatisfaction là, des entraîneurs au banc. Guité en entrée territoire. Guité envoie pour Desmas. C'est tentative de transversale pour Desruisseaux. Son tir, l'arrête de nos deux fois qui vient priver Thomas Desruisseaux. La meilleure opportunité dans le match pour les Sags. Quelle passe de Maxime Massé sur la séquence. Un jeu qui semblait provenir de nulle part. Là. En territoire des remparts, veut laisser pour Vermette. Ça revient à Lecomte. Collision là, avec Vermette. Attention, ça permet à Agostino de récupérer. Vermette est le dernier joueur en repli défensif. Agostino a accroché, chute, et là, est-ce qu'il y aura tir de pénalité? Effectivement, ouais. Bien annoncé avec vigueur et passion par l'officiel Dominique Tessier. Ouais. À retenir pour la suite des choses, Agostino récupère la rondelle. Sous les huées, s'en va large du côté droit, prend son temps. Agostino, quelques feintes, une deuxième, une troisième, un tir, l'arrêt de Précourt! Oh. Encore une fois par Cloutier, son tir qui rate la cible. Prudhomme veut aller d'un dégagement pour Baudouin. Cloutier qui est là. Ça revient à Queen. Son tir et le but! Oh. Et les remparts viennent de marquer un deuxième but et prennent les devants 2-0. Un tir qui a surpris le gardien de but Raphaël Précourt. Et rapidement en deuxième, les Sags voient leur défi encore plus grand. Ouais, un peu plus de 18 minutes à faire en troisième. Maltais, son tir qui est dévié et bloqué. Ça revient vers Bellan, frappé par Uzereau. Desrosiers veut venir récupérer. Desrosiers, quelques feintes. Tente une passe, mais attention, c'est dévié et intercepté. Le disque qui revient, l'arrêt de Précourt. La rondelle est récupérée par le gardien des Sags. Il n'y aura pas de retour avec 12-14. Et protège le disque, mais là, Stewart et Maltais vont réussir à reprendre. Dégagement réussi. Boulens a empêché trois dégagements, mais va être en mesure pour le quatrième. Uzereau relance attaque, il y a beaucoup d'espace. Uzereau, son tir bloqué par Deneau qui sort la mitaine. À Lecomte, on retourne à Maxime Massé. À Péteris Boulens à la pointe, une 42 à faire. Uzereau à Boulens. Avec les partisans qui s'impatientent. Au cercle à Guité, son tir sur réception bloqué par Deneau.